quand tu commences ce nouveau tableau, est-ce que ton idée est assez précise dans ta tête ou ça se passe comment ? En fait, oui, c'est assez précis parce que j'ai déjà fait des dessins, des esquisses, des gouaches. Attends, je vais chercher une assiette. C'est assez précis en fait. C'est un peu comme la cuisine en fait, tu vois. T'as la recette, mais bon, tant que tu n'as pas terminé le plat et tu sais pas trop ce que ça va donner quand même. Ça voudrait dire que on offre un tableau fini au public comme on offre un plat à déguster. Ah bah oui, c'est clair. Hein. oui. Enfin, je pense, oui. Sûrement. Ça nécessite une grande concentration. Oui. Bah oui, faut pas déraper. En même temps, si on dérape, c'est toujours rattrapable, évidemment. Un coup de chiffon, un coup de... Et puis la peinture, on peut repeindre. Tu parlais de cuisine, c'est intéressant de parler de cuisine en peignant un fromage. Est-ce que tu fais de la cuisine en plus de la peinture ? Ah ouais, j'aime bien la cuisine. C'est quelle partie qui t'intéresse ? L'élaboration, la dégustation, le partage ? Oh, je fais des choses simples, hein, mais j'aime bien quand c'est bon. Donc je préfère cuisiner, même si c'est simple, même si c'est pas très élaboré. Et bon, évidemment, ça a à voir avec le partage. Si tu manges avec quelqu'un, autant que ce soit bon et que ce soit cuisiné plutôt que ce soit un paquet de chips. Hein. Et ce qui est intéressant avec la cuisine, c'est un peu comme avec la peinture. Tu peux faire deux plats qui sont à partir de la même recette, mais tu n'obtiens jamais le même résultat. C'est impossible. Même si tu fais deux fois le même tableau, il ne sera jamais exactement le même. Les différences. Un jaune plus clair, plus foncé. Et comment ça a commencé ton aventure de peintre ? Oh, bah quand j'étais enfant, j'aimais bien dessiner en fait. Donc voilà. Pour tout dire, mon père dessinait un peu en fait. Il dessinait un peu et j'étais assez fasciné par ce qu'il faisait comme dessin. Et puis ensuite, à l'école primaire, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'étais pas mal encouragé par une institutrice qui nous faisait dessiner avec de la musique. Et après, en grandissant, comment tu t'es pris pour continuer à peindre, à pouvoir peindre ? Naturellement, j'ai toujours été assidu au cours de dessin, au collège. Je continue au lycée. Puis ensuite, j'ai passé le concours des Beaux-Arts. Je vois là tes gestes techniques, tes coups de pinceau. Est-ce que c'est un lien avec le souffle, la maîtrise du souffle, la respiration ? Ah oui, évidemment.
Et quel est ce jeu entre la technique et le souffle? Bah, je sais pas vraiment, mais quand tu peins, au bout d'un certain temps, tu t'entends respirer. Tu entends le rythme de ta respiration. Tu rentres dans une sorte de zone de calme et de tranquillité. Et tes années aux Beaux-Arts, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as retiré comme expérience? Ah, bah c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu découvres. D'abord, c'est un lieu magnifique, enfin, rue de Seine. Et puis, bon, bah, après des années d'études générales, tu commences vraiment à faire ce qui t'intéresse à plein temps. Voilà pour le jaune.